Bonjour, bonsoir. Moi, c'est docteur Isidore Ange d'Orsius. Moi, c'est un urologue. Dans deux minutes, nous allons parler d'une grosse urgence urologique qui a fait perdre du nous pour toute la vie. Priapisme. Nous partons. Priapisme, il y aurait les maladies ça comme ça, c'est par rapport au dieu Priap de la mythologie grecque. C'était dieu de l'érection. Un monde qui a priapisme, c'est un monde qui a une érection qui allait au-delà de 4 heures de temps. Sans qu'il n'y ait rien de stimulé, il n'y a aucune excitation sexuelle, il n'y a pas pensé avec fait bagarre, rien du tout. Il était comme ça avec une érection qui est douloureuse. Il y a deux types de priapisme. Premier priapisme, c'est priapisme à haut débit. Le sang a une communication artérielle avec venin qui vient faire que toujours un sang qui gonfle dans le pénis. Mais le type de priapisme, ça n'est pas douloureux. Deuxième priapisme, c'est priapisme à bas débit. Le sang n'est pas quitté le pénis parce qu'il y a un blocage, il ne fait pas qu'à sortir. Le sang a une pile douleur parce que sans ça n'a pas d'oxygène dans la donne, il y a une pile douleur. Première cause de priapisme à bas débit, ça va être plus problème qu'il faut perdre du bon maintenant, c'est ça relève anémie falciforme. Son maladie côté que globule rouge n'a pas qu'à traverser par la capillaire, il n'a pas qu'à sortir dans le vaisseau. Donc, le fait que vous n'avez pas sorti, vous bloquez, il est difficile pour vous passer pour sang qui est pénis. Donc, ça, c'est plus facile pour vous priapisme. Le sang entre dans le pénis gonflé, il n'est pas sorti. L'autre cause, c'est les gens qui prennent des médicaments psychiatriques. Donc, les gens qui prennent des médicaments pour dépression, pour anxiété, pour l'autre problème. Donc, ça, tout agit, mais pas dans le priapisme. Les gens qui prennent des médicaments pour érection, les gens qui prennent des sidénaphiles, des talalaphiles, sans contrôle, sans prescription médecin. Les gens qui ont des priapismes, vous supposez un médecin en urgence, mais en attendant le médecin, vous supposez prendre une douche froide ou bien de l'eau glacée pour qui ça? Parce que l'eau a fait une vasoconstriction, la fait vaisseau contracté pour le café sans sautille. Si ça va marcher, ou qu'à monter marche escalier ou descendre marche escalier, monter ou descendre pour qu'à faire exercice de façon à ce que vous mobilisez sang qui n'a pas rien, n'a pas inférieur. Si ça va marcher, vous obligez d'entrer à l'hôpital en urgence. Pour qu'à réhydrater, pour qu'à bon anti-inflammatoire et parfois même dans les cas extrêmes, si vous ne savez pas marcher, obligé d'entrer dans la salle d'opération en urgence pour faire ça relais en shunt caverno-spongieux. Pour qu'à retirer sans noir là, sans qu'il piège dans le pénis, parce que sous quitter, après 6 heures de temps, il a commencé à faire des dégâts. Et tout le temps, il fait plus de temps, ou qu'à pas jamais qu'à abandonner dans la vie encore du tout.